Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi le 25 mars, fait que là on est en route pour s'en aller à Québec. On s'en va comme à la place Laurier là. Dans le fond aujourd'hui Guillaume travaillait, puis là sur son heure de dîner, ben comme on parlait, puis j'ai dit que moi je suis vraiment due pour m'acheter des nouvelles bobettes là. Les miennes sont rendues vraiment pas confortables, là. Ils s'étirent comme trop. Puis là lui aussi il est dû, puis tous les deux on les prend chez American Eagle, ben Aerie là. Fait que c'est sûr, on aurait pu commander en ligne, mais je disais, oh, ça serait le fun, tu sais, y aller en vrai. Puis, tu sais, dans le fond, depuis qu'on a Arthur, on n'a pas été à Québec parce qu'en plus, c'était en confinement, les magasins étaient fermés pendant longtemps. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été à Québec. Fait que là, au début, on pensait y aller demain, mais demain, il annonce vraiment beaucoup de pluie. Puis, tu sais, c'est pas le fun, là, faire de la route là, quand il mouille au bout. L'après-midi, il fait beau, soleil, il fait 16 degrés, il fait super chaud en plus. Fait que. Comme une belle journée pour faire ça. Fait que là, il est comme 2h30. Guillaume a fini de travailler un petit peu plus de bonne heure. Puis, c'est ça. On s'en va à Québec magasiner un petit peu. Puis là, ben, on voit Arthur dans son petit miroir. Bon, fait que tant qu'à être en route puis avoir du temps là-dessus, je vais vous donner des petites nouvelles. La dernière fois, je vous parlais qu'on voulait louer un chalet pour aller faire un petit séjour là, de 2 nuits. Le prix, ça avait de l'allure pour 2 nuits, mais malheureusement, finalement, le gars, il m'a répondu que, dû à la COVID, il loue, mais il loue pour un minimum de 5 jours, étant donné la désinfection puis toute affaire. Ouais. Fait que là, tu sais, 5 jours, c'était 700$ plus taxes, puis en plus, il y a un surplus, je pense, vu qu'on a un bébé. Fait que tu sais, c'est comme 800-900$ là, pour se passer 5 jours. Donc là, on s'est dit, bon, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais là, dans notre cours, on a un spa. On a un spa, mais qu'on ne s'est jamais baigné dedans parce que nous, quand on est déménagé dans la maison, le gars, il nous a dit qu'il y avait une pompe de sauté puis qui était brisée, fait qu'il fallait le faire réparer. Fait que le spa, ça fait au moins 3-4 ans qu'il n'a pas marché, sinon plus peut-être, je ne sais pas combien de temps. Fait qu'il faudrait qu'on le fasse réparer, mais c'est sûr, tu sais, quand on arrive dans une maison, nous, c'était pas une maison neuve, c'est quand même une vieille maison, il y a tellement d'affaires à faire que le spa, c'était comme le moindre de nos soucis pour le moment. Mais là, avec Arthur, on a vraiment hâte de se baigner. Puis la piscine, elle va être chaude juste mi-juin à peu près. Là. Puis chaude, non, pas chaude. Là. Elle va être quand même fraîche, là, mi-juin, là, mais baignable, là, mettons, mi-juin. Mais si on répare le spa, bien, déjà en avril, on pourrait commencer à se baigner. Puis je suis allée lire là, pour savoir si je pouvais me baigner avec Arthur. Mais c'est correct, c'est juste qu'il va falloir qu'on mette le spa pas trop chaud. Puis non plus, faut pas se baigner trop longtemps parce que c'est sûr que sa peau est plus sensible aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que finalement, Guillaume, il a appelé une place pour faire réparer le spa. Et puis, le gars, il a dit que c'était comme minimum 150 pour réparer la pompe du spa si c'était juste un bearing à changer. Puis, si c'est d'autres choses, là, ça se peut qu'il faut qu'on rajoute une nouvelle pompe. Sinon, à part de ça, il y avait comme le panneau électrique aussi à réparer. Mais en tout cas, donc, bref, on va investir dans notre chez nous. Plutôt que d'aller en vacances. Coucou! Ah, ça allait fonctionner! Allô? On est rendu le lendemain, fait que dans le fond, hier, j'ai comme arrêté de vous filmer quand on était au Boston Pizza, on est allé souper là, c'était vraiment super bon, là. J'ai pris un blood de 16 heures, c'est tellement bon, j'adore ça. Puis après ça, on est retourné à Place Laurier, Place La Cité, puis je suis allée au Coiffier International. Puis là, en rentrant, je dis à la vendeuse, je veux un revitalisant pas cher, gros format, tu sais. Puis elle m'a recommandé celui-là, Alcove. Je sais pas si vous connaissez ce marque-là, moi, j'avais jamais vu ça avant. En tout cas, c'est un petit revitalisant hydratant bien simple. J'ai dit, je veux quelque chose qui alourdisse pas les cheveux. Puis elle a dit que celui-là, il alourdissait pas en tout. Il vient avec une pompe en plus. Il était 20$ pour 1 litre. Ben d'allure. Mais c'est pas mal ça. Dans le fond, je me suis acheté des teintures. Puis sinon, tu sais, je vous disais, j'allais à Québec parce que je voulais m'acheter des bobettes. Fait que je me suis acheté ça. J'ai acheté rien d'autre. Mais pourtant, on a vraiment été dans beaucoup, beaucoup de magasins. Puis j'ai rien acheté de plus. Mais on a quand même beaucoup été dans les magasins. Puis. Bon, ça a fait du bien, c'est le fun. Oh! Ça, c'est dans la bouche. Ouais!
on se reparle pas mal plus tard. Là, dans le fond, j'ai pas mal fait de ménage aujourd'hui. Puis là, je suis en train de préparer, ben, c'est comme des jouets pour chiens, en fin de compte, là, toutes des jouets de différentes formes que je remplis pour mettre au congélateur. Fait que dans mes petits cognes, je vais mettre des petites cannes comme ça. Là. Ça, c'est du César, là, c'est du genre de Paris pâté pour chiens. Je mets aussi des petites gâteries, là, fait que ça, c'est comme du bacon. Je mets du yogourt nature dedans aussi. Puis là, je suis en train de faire cuire des petits fruits congelés. Fait que j'avais des fraises puis des cerises congelées. Puis même, il est gâté. J'ai mis un petit peu de miel à travers pour que ça goûte encore meilleur. Fait que je vais tout mettre ça dans ses cognes. Puis ça, on les fait congeler. Puis à tous les jours, on y en donne un. Fait que ça l'occupe beaucoup son esprit, son mental, là, tu sais. Parce que comme licher un cogne gelé comme ça, ça peut y prendre à peu près... une heure avant de passer à travers. Là. Puis il adore ça et c'est très bon pour les chiens qui ont beaucoup d'énergie à dépenser. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Puis là, regardez ça. Nos amis nous ont donné une chaise haute. Puis là, ben, même si Arthur ne mange pas encore, je le mets dedans parce que ben, c'est ça. Comme ça, il est comme. Il m'accompagne. Mais là, hey, Papilou se tient proche, hein? Il y a des gâteries proches, hein? Hein, Arthur? On te l'a hoquette. Et maudit hoquette. Ça, c'est tannant, ça. Tadam! Pas si tannant que ça, hein? C'est pas si pire. Terminé! Après avoir fait la bouffe pour Papilou, je suis en train de faire des petits biscuits pour nous. Tu sais, là, les biscuits aux mini-eggs de Laurie Douceur là, que tout le monde fait, là. Ben, c'est pas ça que j'ai fait, là, mais j'ai pris la même recette, sauf qu'au lieu de mettre des mini-eggs, j'ai mis du chocolat blanc que j'avais ici, une barre de chocolat que j'ai comme égrenée, là, en petits morceaux, fait que ça devrait être bien bon. Puis, ouais, journée très pluvieuse, très plate, comme un temps qui donne le goût de rien faire, là. Tiens, fait que c'est ça que ça donne le biscuit, je vais vous mettre la recette en barre d'information, ça goûte vraiment bon, mais surtout, c'est que c'était super simple à faire, ça prend pas beaucoup d'ingrédients. Puis moi, c'est ça, j'ai tout pris des ingrédients que j'avais déjà dans mon armoire. Fait que, tu sais, c'est le fun, ce genre de recette-là, facile à faire, là. Puis là, ben, Guillaume. Toi, tu n'y as pas goûté encore. Pas pire. Vraiment bon. Oui. Ça passe le test. On en refera. C'était rapide à faire, pareil. Pas de pépites de chocolat. T'as pas mis des pépites de chocolat au lait? Non. Bon matin, on est rendu le lendemain. Fait que vu que j'ai pas beaucoup filmé les deux dernières journées, je vais continuer le vlog aujourd'hui. Je vais vous apporter dans notre journée. Ce matin, on va se faire des genres de casseroles déjeuner, là. Les petites patates du Benet Florentine, ils goûtent vraiment pareil comme au restaurant, là. C'est comme des petites patates avec des épices dessus, là. Sont vraiment super bonnes. Puis je vais faire avec ça une petite sauce hollandaise. Tiens, fait que moi, je prends cette petite sauce hollandaise-là en sachet, là, qui reste juste à ajouter du lait puis du beurre. Dans nos casseroles, je vais rajouter du bacon que j'avais déjà fait cuire puis que j'avais coupé en petits morceaux. Puis on va les faire gratiner, puis après ça, on va rajouter comme un œuf sur le dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Papilou? T'as l'idée? Non, il veut un œuf. Ah, tu veux un œuf. Je fais un petit bol pour Papilou, fait que j'ai mis des morceaux de poulet du souper d'hier avec des framboises. Puis là, je fais cuire un œuf que je vais rajouter, fait que ça va être son brunch à lui. Guillaume, il était en train de faire une grosse job de coupage d'ongles. On se rappelle que moi, je veux plus le faire parce que la dernière fois que j'ai coupé les ongles à Arthur, j'ai coupé le doigt en même temps. Papilou, il pleure parce qu'il sait que son œuf est cuit, mais que là, on le laisse refroidir. Mais Guillaume, il est bon. C'est parce que regarde Arthur, comment est-ce qu'il gigote, tu sais. Puis il bouge les doigts. Fait que c'est ça. Moi, j'y avais coupé le bout du doigt la dernière fois, là. Mais Guillaume, il est bon. Tu sais bien ça. Bon, fait que ça ressemble à ça. Fait que moi, je le prends avec un œuf tourné, pas pété, tourné léger, parce que j'aime ça que ça soit coulant. Et puis Guillaume, c'est des œufs brouillés. Ben, pété. Bon, puis Papilou, lui, je pense que c'est pas mal n'importe comment. Hein? Pas mal n'importe comment. Regarde, j'ai rien à lui demander, puis il fait déjà le beau.
Mais Papilou, tourne autour de moi, tourne autour de moi. Non, là, ça y tente pas, hein. Papilou, couche. Ouais. Papilou, tourne. Là, il est surchargé. Surchargé, le pitou. Oui, bon. OK, tu vas l'avoir, ton petit déjeuner. Bon. Laisse. Et que t'es bon. Un, deux, trois. OK. Bon appétit. Arthur, lui, ben, il vient de finir son biberon. Clé va juste nous accompagner. Bon, ben, à tantôt. Carlos se couche vraiment dans une drôle de position. Tu parles d'une position pour dormir. Puis Chuck, lui, il est en train de tout déformer le divan. À force de se coucher là, et le divan, il fait comme une petite curve de même. Mais il est tellement bien. Hein, il est tellement bien. Oh! Bon, fait que la journée est pas mal plus avancée que la dernière fois que je vous ai parlé. L'après-midi, j'ai fait un gros ménage du linge d'Arthur, désencombrer ses tiroirs, puis comme mettre de côté le linge qu'il fait plus ou tu sais, limite, là, mettons. Puis là, ben, pas plus être impatient. Là, on a des amis qui nous ont écrit pour savoir si on voulait aller marcher. Fait que le Guillaume, il est en train d'attacher Arthur dans la poussette dehors, puis nos amis devraient arriver bientôt. Fait qu'on va aller prendre une petite balade. Bon ben, on est revenu de notre marche. Là, je suis en train de me faire couler un bain, puis je me suis mis un petit cidre de pomme sur le côté. Je vais écouter des vidéos YouTube en prenant mon bain, ça va faire du bien. Puis c'est ça, après-midi, on a pris quand même une bonne marche. Puis après ça, on a fait un feu ici dehors avec nos amis. Je sais qu'on n'a pas vraiment le droit en théorie, là, mais en tout cas, on s'est donné le droit. Là, t'sais, ça fait du bien là, de s'asseoir puis de parler ensemble. Puis je vais fermer le vlog maintenant. Je sais que je vous ai pas montré grand-chose. Maintenant, j'ai l'impression de faire rien. Puis je sais pas si c'est quand même le fun. Mais moi, j'aime quand même ça, réécouter des vlogs des fois. Puis je pense que ça va nous faire des beaux souvenirs avec Arthur puis de voir un peu notre quotidien. Fait que ben, c'est ça. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!